Alors on fait quoi pour le film admissible? Vous avez des idées? Et si on suivait par contre un candidat sans rien laisser Paris? Trop classique. Et si on faisait une parodie? Oh grave! Genre Harry Potter. On a qu'à faire une séquence avec le choix-pot qui attribue les assos aux nouveaux élèves. Intrépide, bilingue, vous serez chez... Cosmo! Ouais mais c'est fini Harry Potter les gars. Game of Thrones? Game of Thrones. Vous êtes devant Léa du Typhon, de la Maison Network, héritière légitime de la SWAT, hôte légitime des candidats et des admissibles, protectrice de l'IS et Paris, mère des chatons, calicite du chemin de fer, de la ligne L plus exactement, l'impertinente et briseuse de noisettes. C'est Jon Snow, un bâtard. Toi, hein, Jon Snow? C'est mort. T'es pas Kit Harington? Et si on faisait une parodie de The Voice? Genre un candidat admissible qui passe ses euros, mais sur un plateau d'émission. On vous veut dans notre école. Slimane n'aura jamais son caméo. Laisse tomber. Moi, je pense qu'il faudrait que les admissibles apprennent à mieux nous connaître. J'avoue qu'ils apprennent un peu à nous connaître avant leur accueil. On va quand même pas se présenter les uns après les autres, ça va vraiment être chiant. Non, mais on peut faire d'une façon plus originale. Non, on s'éloigne trop. Et puis, il y a plein de choses dont on ne pourra pas parler. Du genre, notre thème. Et c'est quoi le thème, déjà? Coachella! Le festival de musique. Ouais, mais ça serait peut-être mieux de garder la surprise. Les gars, j'ai une idée. Et si on faisait... une comédie musicale? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça s'est bien passé? Ils m'ont demandé pourquoi je me présente ici, qu'est-ce que j'ai qui me différencie des autres admissibles. Je ne sais pas si j'ai le bon profil, on verra bien, je ne lâche rien. Les gens disent beaucoup de choses, à toi savoir ce qui est vrai. Moi chanter? Ah non, c'est mort. On se disperse trop les gars. Avec toutes les propositions qu'on a faites depuis tout à l'heure, il manque quelque chose. Il nous manque un véritable fond. Il faudrait recentrer notre discours autour des valeurs que porte l'ISC et de toutes les belles choses qu'on peut proposer aux futurs admissibles. L'accueil chaleureux qu'on leur réserve, toutes les activités qu'on leur a préparées comme le Paris by Night, et surtout, leur montrer qu'on est une vraie team, et qu'on travaille tous ensemble pour leur réserver le meilleur accueil. Et puis, parler des événements qu'on organise grâce à l'école, de tous les projets qu'on réalise au sein des entreprises étudiantes, et de ces liens qu'on va créer tous ensemble. Leur montrer qu'ils ne rejoignent pas qu'une simple école, mais un lieu d'épanouissement des talents et des personnalités. Leur parler de nos universités partenaires, de l'alternance, des alumni, de nos accréditations, ou encore de l'excellence académique de nos professeurs. Tant de sujets à leur présenter qu'on ne pourrait qu'effleurer dans le teaser. Mais des choses qui leur montreraient que l'ISC Paris, c'est une grande école de commerce pas comme les autres. Ouais, en soi, je préférais les parodies. Ouais. Et maintenant, à vous de choisir.